الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد on se retrouve inshallah ta'ala pour cette deuxième séance des séances de l'explication du fameux et très bénéfique inshallah livre Hilyatu Talib al-Ilm du Cheikh Bakr ibn Abdillah Abu Zayd, rahimahullahu ta'ala. Et on s'était arrêté la dernière fois, ou plutôt hier, dans la séance précédente, on s'était arrêté à la partie où le Cheikh, rahimahullahu ta'ala, traite de l'importance de l'intention. On est arrivé dans le paragraphe où le Cheikh il dit « Wa alayhi faltazim al-takhallusa min kulli ma yashubu niyataka fi sidq al-talab » et ainsi préserve, attache-toi à préserver ton intention de tout ce qui pourrait la corrompre dans la véracité, dans l'étude de la science, comme le fait d'aimer se montrer, on avait déjà parlé de cette maladie-là, et le fait de vouloir dominer ses semblables et ses camarades, et le fait de faire que cette science-là, de prendre cette science-là comme une voie et une échelle pour accéder à des buts et à des biens mondains. Minja, comme la célébrité, Aumal, l'argent, Aou Ta'zim, ou la glorification des gens, Aou Sum'a, le fait de se faire entendre, Aou Talabi Mahmada, ou le fait de chercher les éloges des gens, Aou Sarfi Wujuhin Nasi Ilaik, ou le fait de tourner les visages des gens vers toi. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. Car ces mots-là, ces maladies-là, lorsqu'ils se mêlent à l'intention, ils la corrompent et ils la pourrissent. Et la bénédiction de la science s'en va et disparaît. Et malheureusement, toutes ces maladies-là, on les retrouve chez beaucoup. Et nos propres personnes, elles sont touchées par cela. Et moi en premier, avant de parler d'autrui, ma propre personne, ainsi que toutes les personnes, parce que Shaitan a une influence sur nous tous, et on a tous ce ouswas de la part de Shaitan et de la part de Nafs, de faire les choses pour recevoir les éloges des gens, et pour que les gens nous acceptent dans tel ou tel groupe ou telle structure, et que les gens nous vantent, que les gens disent « Masha'Allah, lui, regardez, il est pieux, Masha'Allah, il est ceci, Masha'Allah, il est cela, Masha'Allah, il étudie la science. » Et recevoir ces « Masha'Allah » des gens. Et combien de « Masha'Allah » ont ramené la colère d'Allah. Et donc, énormément de personnes prennent ce chemin-là pour ces buts-là. Or, comme le Cheikh a dit, « Rahimahullah », il a dit « Cette science-là, lorsqu'elle est faite avec une mauvaise intention, elle peut se transformer de « arfa'a ta'at » à « jalla ta'at » de la meilleure des obéissances à « ahatt al-mukhalafat » à la plus basse et la plus méprisable des désobéissances. Et on avait parlé de cela et on avait dit que cette chose-là, qui est la science, elle peut soit t'élever dans les hauts degrés du paradis ou alors te faire tomber dans les bas degrés de l'enfer, wal'iyadu billah. Et tout cela, ça prend sa base sur le hadith que rapporte l'imam Abu Daoud, ainsi qu'Ibn Majah, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ta'allama ilman mimma yubtara bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan min ad-dunya, lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah. » Celui qui apprend une science par laquelle habituellement on souhaite la face d'Allah, c'est-à-dire une science qui a pour objectif normalement de faire accéder la personne à la récompense d'Allah, et que la personne ne l'apprend et ne l'étudie que pour avoir une part de ce bas monde, cette personne-là ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Donc c'est une menace extrêmement grave pour toute personne qui se lancerait dans ce chemin qui est le chemin de l'étude de la science. ولل علماء في هذا أقوال وموقف
بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. Donc le cheikh il dit, les savants ont à ce sujet des paroles et des statuts dont j'ai clarifié une partie dans le livre At-Ta'alum. Et on a dit que ça c'est un deuxième ouvrage du cheikh qui est très bénéfique, dans lequel il a mentionné certaines maladies de ceux qui se prétendent savants. Parce que At-Ta'alum, c'est le fait de se prétendre savant. Un muta'alim, c'est quelqu'un qui se prétend savant. Comme on en a parlé dans les Arba'in Nawawi, on avait parlé du mutawakil. Mais tout ce qui vient sur cette structure-là, en arabe, de mutafa'il, c'est quelqu'un qui se prétend. Donc mutawakil, c'est celui qui prétend avoir tawakkul. Différent de al-mutawakil, qui lui a le tawakkul, se base sincèrement sur Allah, a la confiance en Allah. Ici, Ta'alum, c'est celui qui se prétend être savant. Donc le cheikh, il a un livre qu'il a titré par ce titre-là, Ta'alum, la prétention, et dans lequel il dévoile les personnes qui se prétendent étudier la science, mais qui en vérité en sont très loin. Et c'est un livre qui est très bénéfique, en particulier à notre époque, et je conseille à tous les arabophones de l'acheter. Je ne connais pas de traduction, malheureusement. Je ne connais pas de maison d'édition qui l'ait traduite, mais là, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, il est disponible en arabe, et je conseille à tous les arabophones de le lire, ou au moins d'en lire une partie. Et donc, certaines paroles de ces savants-là, c'est notamment, comme on l'a cité la dernière fois, les paroles des savants qui parlent de l'ikhlas, qui parlent de l'importance de la sincérité, comme ceux qui disent parmi les ulama que la sincérité, comme on a mentionné, le Qushayri et d'autres, ils disent la sincérité, la véritable sincérité, c'est le fait que le secret et l'apparent soient semblables chez la personne. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle fait en secret, soit égal à ce qu'elle fait en apparence devant les gens. Et non pas que la personne, elle se montre devant les gens en faisant des adorations, et qu'arriver en secret, on demande à Allah de nous préserver de cette situation-là, et de guérir ceux qui sont touchés par cette situation, et qu'elle vient en secret, lorsque les gens ne la voient pas, et elle devient l'ennemi d'Allah, comme certains salafs ont dit, ne soit pas l'allié d'Allah en public et l'ennemi d'Allah en secret. Et d'autres salafs ont dit, la véritable sincérité, c'est que dans ton cœur, les éloges et les critiques sont au même niveau. C'est-à-dire les personnes qui vont médire de toi ou les personnes qui vont te critiquer, tout cela ce soit au même niveau. Inch'Allah ta'ala, pour les arabophones, demain soir, on va lire le livre de l'imam al-Nawawi. Et les premières pages du livre de l'imam al-Nawawi, elles traitent de ce sujet-là. Donc vous allez voir les paroles de Salaf exactement au mot près. On va les lire, inshallah ta'ala, dans le quatrième chapitre du livre de l'imam al-Nawawi, qui parle de l'intention également. Donc il dit, وَيُزَادُ عَلَيْهِ نَهْيُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الطُّبُولِيَّاتِ وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الشُّهْرَةِ وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. Donc il dit, et on peut rajouter à cela toute la liste des maladies qu'on a évoquées dans l'étude de la science, l'interdiction des savants, la mise en garde des savants à propos de ce qu'on appelle الطبوليات. Qu'est-ce que c'est الطبوليات? Il dit, وَهِيَ الْمَسَائِلَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الشُّهْرَةَ. C'est les sujets de la science par lesquels on souhaite la célébrité. Qu'est-ce que c'est qu'at-tubuliyat? At-tubuliyat, si on traduit littéralement, ça signifie les sujets à tambour. Les sujets à tambour. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les sujets à tambour? Parce que c'est des sujets dans la science. Lorsque la personne elle va les évoquer, ça va être des sujets qui vont être rares. Des sujets que les gens n'ont pas entendus. Des sujets que les gens ne connaissent pas, parce que ça fait partie des positions isolées que les savants ont eues. Et certaines personnes vont exploiter ces positions-là isolées et les mettre au goût du jour et les exposer aux gens, tout simplement pour avoir la célébrité. Pas forcément parce que ça a un bénéfice, au contraire, c'est des positions qui sont maléfiques, qui comportent un mal. Il ne faut pas les exposer aux gens parce que c'est des avis isolés. C'est des avis qui n'ont pas de poids réel. Mais ces personnes-là, elles vont les exposer, hein, pour faire semblant qu'elles ont une grande capacité de recherche et qu'elles connaissent énormément de choses. Elles connaissent tellement de choses qu'elles connaissent même des choses que les gens, à propos desquelles les gens n'ont jamais entendu parler.
Et donc ça va faire l'effet, lorsqu'elles vont en parler, ça va faire l'effet d'une personne qui tape sur un tambour. Hein, elle va se faire entendre. Mais comme le proverbe dit, le proverbe en arabe, il dit, j'entends du bruit et je ne vois pas de farine. Ça, c'est un proverbe que les Arabes disent pour dire, j'entends le bruit du moulin remuer, mais derrière, je ne vois rien qui est produit par le moulin. Donc j'entends, hein, tu fais beaucoup de bruit en parlant, etc., tu te montres devant les gens, mais derrière, il n'y a aucune faïda, il n'y a aucun contenu scientifique réel. Et ça, c'est malheureusement la situation de beaucoup de personnes. Et si ce n'est al-wara, j'aurais pris, si ce n'est le fait que je ne souhaite pas que nos assises tournent dans cette direction, j'aurais pris un moment pour citer les personnes avec leur nom, tellement c'est grave cette situation, qui font ces choses-là. Et vous les connaissez déjà, les personnes qui s'affichent sur YouTube à citer des choses dont personne n'a jamais entendu. Et d'ailleurs, et ça c'est un conseil que je me permets modestement de vous donner, à partir du moment où vous voyez une chose qui est citée par une personne, et cette chose-là, vous n'en avez jamais entendu. Bien sûr, on ne parle pas des gens qui n'ont jamais étudié, ça c'est normal. Même peut-être des règles de salat, il va dire j'en ai jamais entendu parler. Mais on parle des gens qui ont un minimum de connaissances quand même, qui ont une certaine culture islamique. Et on voit une chose à propos de laquelle il n'a jamais entendu parler. Cette chose-là, il n'en a jamais entendu parler, il questionne son imam, il n'en a jamais entendu parler, il questionne un étudiant en sciences, pareil, il n'en a jamais entendu parler. Et cette personne-là, elle arrive avec sa vidéo YouTube et elle cite cette chose-là. Eh bien, sachez que ça, c'est un des signes qui montre que cette personne-là, c'est un sahib touboulliyat. C'est une personne qui propage ces touboulliyat-là. Parce que forcément, ça donne un air de. J'allais dire outsider. Ça donne un air d'une personne qui est. Vous savez, qui a une grande connaissance, telle connaissance qu'elle va plonger dans les livres. Alors que ça se peut qu'il a ouvert un livre qui est spécialisé dans ça, dans le Masail al-Nadira, dans les cas et les avis isolés, il en a pioché quelques-uns, et comme ça se peut, il n'a même pas lu en entier le livre, il en a pioché quelques-uns, il les a exposés, il en a fait une khutbah, et khalas. Juste pour jeter de la poudre aux yeux des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, le Masail lati yuradu biha ash-shuhra, c'est des sujets avec lesquels, hein, comme si on tapait du tambour, regardez-moi, avec lesquels on veut la célébrité. Et il y en a énormément, malheureusement. Que ce soit les avis isolés des écoles, que ce soit des avis isolés dans la croyance, que ce soit des positions isolées, très très isolées, parfois marginales, de certains savants qu'ils ont eus par ijtihad, mais comme disent les ulama, man tatabba'a nawadir al-ulama, kharaja min al-islam, comme disait l'Auza'i dans ce que rapporte al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra, il dit, celui qui suit les avis isolés des savants, il sortira de l'islam. Et comme le proverbe chez les savants dit, Man jama'a ash-shawadh lam yastaqir lahu din. Celui qui rassemble les avis et les positions isolées des savants, il n'aura pas de religion. Et c'est pour cela que il y a ces paroles-là que le cheikh il va citer après. Wa qad qila zallatul 'alimi madhrubun lahu at-tabl. Certains des salafs, des plus prédécesseurs, ont dit l'erreur du savant, c'est comme si on y frappait avec un tambour. Premièrement, parce qu'une erreur d'un savant, ça fait beaucoup de bruit, et ça peut égarer beaucoup de gens. Et deuxièmement, parce que l'erreur d'un savant, ensuite, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'elle diminue, eh bien, s'il y a des personnes qui vont la revivifier, bien sûr en mal, la revivifier en mal et la remettre au goût du jour, juste pour, à l'ordre du jour, juste pour se rendre célèbre, eh bien, également, ça va être comme l'effet de quelqu'un qui tape sur un tambour. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. Donc là il revient au défaut qui pourrissent l'intention. Il dit سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه qui faisait partie des salaf, qu'Allah ta'ala lui fasse miséricorde, a dit il m'avait été donné la compréhension du Coran. Et lorsque j'ai accepté As-Surra, cette compréhension m'a été retirée. Qu'est-ce que c'est que As-Surra? As-Surra, c'est un don, c'est une donation que faisaient les rois aux savants. Hein, en quelque sorte, ils les payaient pour leurs assises, etc. C'était une sorte d'offrande que les savants faisaient, que les sultans et les empereurs faisaient aux savants. Et bien sûr, en général, ce n'était pas sans contrepartie.
en général, bien entendu. Notre bonne opinion de Sofiane, rahimahullah ta'ala, qui est un très grand savant, c'est qu'il ne s'est jamais laissé influencer dans la parole du haqq. Mais, de manière générale, on trouve que cette surah-là, lorsqu'elle était donnée des sultans aux savants, ce n'était pas sans contrepartie. C'était pour que le savant, qui a une influence sur le peuple, vous connaissez ces choses-là, utilise son influence pour les biens et le bon vouloir du savant, du sultan, pardon. Et donc c'est pour cela qu'il dit « Kuntu utitu fahm al-Qur'ani falamma qabiltu surrata sulibtuhu » Il m'avait été donné la compréhension du Qur'an. Et lorsque j'ai accepté cette donation-là, elle m'a été retirée. Donc ça, on peut tirer deux profits de ce récit. On peut tirer le premier profit, c'est la grande introspection et l'énorme capacité d'introspection que les savants, que les salafs avaient. Leur piété était telle qu'ils n'hésitaient pas à se blâmer, même lorsque ça les mettait dans une position compliquée, mais ils avaient une telle relation avec eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas dire sauf la vérité. C'est-à-dire que là, Soufiane, il se rabaisse clairement lorsqu'il dit ça. Il dit, il m'a été retiré la compréhension du Coran, alors que c'est un énorme savant, Soufiane al-Thaouri. Mais, rahmatullahi alayh, c'était parce que il avait une grande introspection, il avait une grande muhasaba, il se jugeait constamment, il se remettait en question constamment. Et la deuxième faïda, le deuxième enseignement bénéfique qu'on peut tirer de ce texte-là, c'est le fait de ne pas chercher à obtenir de l'argent à travers sa science. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas enseigner la science, où tu vas apprendre la science pour l'argent et pour le salaire, eh bien sache que tu n'accéderas jamais à la science. Comme lui il dit, il m'avait été donné la compréhension du Coran, et lorsque j'ai cherché à avoir un salaire, à partir de ce moment-là, sulibtuhu, il me l'a été retiré. Malgré le fait que c'est parfaitement autorisé, ça les ulama ils le disent, c'est parfaitement autorisé d'accepter les dons. C'est-à-dire que si, que ce soit le sultan ou que ce soit autre que lui. Malgré le fait qu'il y a énormément de paroles des salafs sur le fait qu'il ne faut pas trop accepter les donations des sultans, etc. Il ne faut pas excessivement les fréquenter. Et ça, je laisse à chacun la responsabilité d'aller voir dans les livres des paroles des salafs ce qui est mentionné à ce sujet. C'est quelque chose qui est connu. Néanmoins, les ulama, ils disent que tout ce que il a été donné en donation pure, et bien sûr dont on connaît l'origine et on sait que l'origine est halal et que ce n'est pas un sultan injuste qui vole l'argent du peuple, etc. Eh bien, le don, il est autorisé. Mais il avait tellement peur pour son intention qu'il avait peur que ce don-là, eh bien, il se transforme en recherche de salaire. Parce que vous savez que une fois la personne, elle fait la chose ikhlasan, par sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on lui donne quelque chose. Et la deuxième fois, elle fait la chose par sincérité pour Allah et on lui redonne quelque chose. Et bien la troisième fois, quand elle va faire, automatiquement, même si à la base, lorsqu'elle commençait à faire cette chose-là, elle n'attendait rien de personne. Mais là, la troisième fois, automatiquement, vu qu'on lui a donné les deux premières fois, elle va attendre quelque chose la troisième fois. Et donc ça va faire comme si elle cherchait un salaire. Et donc c'est ça le sens de la parole de Soufiane al-Thaouri, parce qu'à partir du moment où on fait ça pour avoir un salaire, eh bien on mélange le dîn ad-dunya. Et ça, c'est un sujet qui est très important. Et donc vous avez un chapitre par exemple dans Kitab Tawhid et dans d'autres livres à ce sujet-là, du fait de faire les choses de dîn pour la dunya. C'est un sujet qui est très important et qu'on doit détailler, mais qu'on n'a malheureusement pas le temps de détailler ici. Mais, inchallah, ce résumé suffit, le fait de comprendre que il ne faut pas chercher de salaire à travers les choses qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce qui a été donné en donation pure, et la personne elle doit combattre son intention pour que ce soit une intention sincère, mais ce qui a été donné en donation pure, elle peut l'accepter au vu du hadith que rapporte le Bukhari et Muslim, selon Omar ibn Khattab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ma ja'aka min hadha al-mal wa anta ghayru musharrafin wa la sa'iluhu wa anta ghayru mushrifin wa la sa'iluhu fakhudhu wa ma la fala ta fallait t'attabir ou nafsak. Tout ce qui t'est parvenu de cet argent-là comme donation, eh bien, prends-le tant que toi tu ne l'as pas recherché et tu n'as pas cherché à l'avoir. Et tu n'as pas attendu à recevoir cet argent-là.
وما لا فلا تتبع نفسك فلا تتبعه نفسك عفوا et tout ce qui n'est pas de cette origine-là, tout ce qui n'est pas recherché par ton âme, eh bien ne le recherche pas. Donc le cheikh il dit فاستمسك رحمك الله رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Donc il dit attache-toi fermement qu'Allah te fasse miséricorde à cette anse la plus solide qui te préserve de toutes ces maladies en étant, tout en faisant des efforts pour avoir la sincère intention, en étant apeuré et en ayant une grande peur de tout ce qui peut annuler ton intention. Et en montrant ta pauvreté devant Allah subhanahu wa ta'ala et en cherchant le refuge auprès de lui. Donc ici le Cheikh rahimahullah, il évoque les causes et les manières de se sauver et de guérir son intention. Il dit, attache-toi à cette anse la plus solide là de l'ikhlas, de la sincérité, pour te préserver des maladies qui vont l'entacher et la pourrir. En étant premièrement, en faisant des efforts pour être sincère, et deuxièmement, en ayant peur, en étant apeuré du fait de salir ton intention par les annulatifs de l'intention. Troisièmement, en montrant ta grande pauvreté devant Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant que tu as besoin d'Allah et que sans Allah tu n'es rien. En montrant à Allah subhanahu wa ta'ala que sans lui tu n'es rien. Et quatrièmement, en te réfugiant auprès d'Allah et en cherchant son aide. Wa yuthar an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Il est rapporté de Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, sa célèbre parole, ma alajtu shay'an ashad. Je n'ai jamais essayé de corriger quelque chose ashaddu alayya min niyyati plus difficile pour moi que mon intention. C'est-à-dire, Sofiane, il dit, la chose la plus difficile pour moi de corriger, de soigner, c'est mon intention. Et ça, comme on disait, c'est parce qu'il a une grande introspection de lui-même. Et il sait, il connaît sa situation. Et les ignorants aujourd'hui, qui ne connaissent pas leur personne, vont te dire, non, moi je suis sincère. Moi je suis sincère. Et comme Al-Dhahabi rahimahullah, il disait, ils sont stupides, ces gens-là. Al-Dhahabi rahimahullah, dans Sir Alam Nubal, à un moment, il cite des paroles de gens qui disent, de grands savants, à qui on a posé la question, pourquoi est-ce que tu as étudié cette science? Et ils disent, pour moi, et certains disent pour la célébrité. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement sincères qu'ils ne peuvent pas dire pour Allah. Parce que c'est tellement difficile d'avoir une intention sincère pour Allah. C'est quelque chose vraiment qui nécessite un grand travail. Qui nécessite un grand travail au jour le jour. Qui n'a jamais, lorsqu'il a commencé à faire un rappel ou quoi, qui n'a jamais été heureux des gens qui lui ont adressé des regards, des sourires, des remerciements et tout, etc. Qui n'a jamais été satisfait de cela? Qui n'a jamais recherché qu'on l'éloge et qu'on lui fasse des compliments? Ça, c'est quelque chose que nafs, que l'ego recherche. Et donc, c'est pour cela que c'est très difficile, malgré le fait que c'est amplement obligatoire, et c'est même la plus grande des obligations d'être sincère, mais c'est également très difficile et c'est un combat quotidien. C'est pour ça que la ilaha illallah, ce n'est pas une chose qui est simple. C'est simple de la prononcer et de rentrer en islam, mais pour la conserver et rester dessus constamment, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc, Al-Dhahabi, il cite la parole de ces savants-là, et ces savants, ils essayent d'être sincères, et donc ils disent, non, moi j'étudie la science pour moi, et d'autres disent, j'étudie la science pour la célébrité. Et comme lui-même, Ahmed également, il disait, lorsqu'on lui a dit, أطلبت العلم لله, est-ce que tu as étudié la science pour Allah? Il a dit, لله, عزيز, pour Allah, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'énorme. ولكنه شيء, c'est plutôt une chose, أعجبت به فطلبته. Quelque chose, c'est plutôt une chose, une matière qui m'a plu et j'ai commencé à l'étudier. Regardez à quel point l'imam Ahmed était sincère envers sa personne. Et donc Al-Dhahabi, lorsqu'il cite la parole de ses savants, il dit « Aujourd'hui, si tu questionnes un des ignorants de notre époque et tu lui dis « Pourquoi est-ce que tu étudies la science ?» Il va te dire « Je l'étudie pour Allah. » Et c'est un stupide menteur qui ne connaît pas sa personne. Et le cheikh, il continue, il dit « عن عمر ابن ذر
أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. Ça, c'est une énorme parole. Omar ibn Dhar, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a questionné son père en ces mots où il dit: ô mon père, qu'as-tu lorsque tu fais un rappel aux gens, lorsque tu conseilles les gens se mettent à pleurer. Pourquoi est-ce que toi, lorsque tu conseilles les gens et que tu leur fais un rappel, les gens se mettent à pleurer et à tomber en sanglots? Et lorsque autre que toi se met à conseiller les gens, eh bien les gens ne pleurent pas et écoutent sans pour autant pleurer. Et là, ce savant et ce pieux, il dit à son fils: ô mon enfant, la raison à cela, c'est parce que la pleureuse qui pleure parce qu'elle a perdu son fils n'est pas comme la pleureuse qu'on paye pour pleurer. Parce que vous savez que dans les enterrements, à l'époque, dans la civilisation des Arabes, dans le Jahiliyyah, et également dans la civilisation romaine, etc., lorsqu'il y avait un enterrement, lorsqu'il y avait un convoi funéraire, on payait des femmes pour pleurer et pour s'arracher les cheveux et pour s'arracher les vêtements. Et ils pensaient que cela, ça rendait hommage aux morts et ça montrait que le mort était aimé et était apprécié et que sa mort est une grande perte. Et donc on payait des femmes pour faire cela. C'était leur travail. Et donc évidemment, ces femmes-là, elles pleuraient, mais elles jouaient la comédie lorsqu'elles pleuraient. Parce qu'elle ne va pas être triste pour les morts qu'elle ne connaît pas. Elle est payée à pleurer un mort qu'elle ne connaît pas, elle va obligatoirement faire la comédie. Alors que la femme qui a perdu son propre fils, lorsqu'elle va pleurer, elle va pleurer du plus profond de ses intestins, du plus profond de son cœur. Elle va pleurer vraiment avec force et vigueur, tellement fort que ça va toucher les gens obligatoirement. Alors que les pleureuses qui sont payées pour cela, ça touche personne. Personne ne pleure lorsqu'il voit une pleureuse qui est payée parce qu'il sait très bien que c'est de la comédie. Et donc là, ce pieux, il dit à son fils, il dresse cette métaphore-là, il dit: la pleureuse qui pleure parce qu'elle a perdu son enfant, elle n'a rien à voir avec la pleureuse qui pleure parce qu'elle a été payée pour cela. Donc il veut dire par cela: moi, quand je fais un conseil, je ne le fais pas pour me montrer aux gens, mais je le fais parce que sincèrement, c'est ma situation que je plains. C'est ma situation que je plains. Et je parle de ma peur de mon Seigneur, et donc je commence à pleurer parce que ça me concerne. Alors que les gens qui font des rappels pour faire des rappels, eh bien ceux-là, ils n'ont pas, ça ne les concerne pas. Qu'Allah te guide vers la droiture et te facilite la droiture. Amin. Et ça fait partie des caractéristiques qui montrent la miséricorde du professeur envers son élève. Dans le sens où il lui fait des invocations, et ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises, du fait que c'est la sunna du prophète alayhi salatu salam de se comporter envers son élève avec douceur en lui faisant des invocations, etc. Et donc ensuite le cheikh il dit: ثانياً الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. Donc il dit la deuxième condition de toute adoration après la sincérité, c'est la caractéristique qui rassemble le bien de ce bas monde et de l'au-delà, qui est le fait d'aimer Allah Ta'ala et d'aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comment savoir, comment pratiquer l'amour d'Allah et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam? Comment savoir si vraiment on aime Allah et on aime son messager? Eh bien, en suivant uniquement et exclusivement les traces de Al-Ma'soum, du préservé et du protégé par Allah, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui sera sur le suivi exclusif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera un signe qu'elle aimera Allah et qu'elle aimera son messager. قال الله تعالى
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله سبحانه وتعالى a dit au messager, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ce verset-là, il a été appelé par les savants Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve. Pourquoi? Parce que ce verset-là, il montre, c'est comme un test. Il te montre si tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si tu suis la voie d'Allah et la voie du messager alayhi salatu wa salam, c'est que tu aimes Allah et son messager. Mais si tu commences à zigzaguer, à prendre le chemin dans sa tortuosité, à essayer de rendre la voie droite tortueuse, eh bien à ce moment-là, ça prouvera que tu n'aimes pas sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam, mais que tu préfères plutôt suivre tes passions et que tu préfères tes passions à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager alayhi salatu wa salam. Et c'est quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose de simple. Tout comme la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, ne pensez pas que c'est quelque chose comme si on buvait de l'eau. Suivre le prophète alayhi salatu wa salam dans toutes les situations de sa vie, ça demande un travail sur soi phénoménal. Ça demande un combat de soi-même et un combat de son ego qui est extrêmement important. C'est pour cela que vous constatez à ce moment-là à quel point nous on est loin. À quel point on est loin. On se combat déjà soi-même pour faire les obligations. Sans parler déjà des principes spirituels. Simplement le concret. Les cinq prières par jour, déjà, c'est un combat pour le faire. Éviter le haram, c'est un combat. Éviter les péchés, c'est un combat. Alors, sans parler de ces choses. Mais pourtant, le prophète alayhi salatu wasalam a mentionné que son amour, le fait de l'aimer, c'est un impératif de la religion. À tel point qu'il dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Dans le hadith que rapporte le Bukhari et qui est authentique, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit l'un d'entre vous n'aura pas la foi, personne d'entre vous n'aura la foi tant que je ne sois pas plus aimé auprès de lui que son père, son fils et que toute l'humanité. Et comment est-ce qu'on aime vraiment le messager alayhi salatu wasalam? En le suivant. Et en ayant la croyance et la certitude que c'est sa voix qui est la meilleure. Qui est meilleure que toutes les autres voix. Et bien entendu, en suivant les savants qui vont nous montrer sa voix alayhi salatu wasalam. Donc le cheikh il dit وَبِ الْجُمْلَةِ فَهَذَا أَصْلُ هَذِهِ الْحِلْيَةِ وَيَقَعَانِ مِنْهَا مَوْقِعَ التَّاجِ مِنَ الْحُلَّةِ. Il dit de manière générale, c'est cela la base de cette hilya, de cette parure. Et ces deux fondements-là, la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, c'est les deux fondements principaux de cette parure-là. Et c'est même les deux fondements principaux de la religion qui se résument en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ces deux fondements-là, c'est les deux fondements de la religion. Et donc ils sont, comme il dit, ils sont comparables dans cette parure-là à la place de la couronne par rapport au collier. فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. Donc il dit, ô étudiants, voilà que vous vous êtes assis pour la leçon et que vous avez commencé ce chemin qui est le chemin le plus important, le chemin de l'étudiant de la science, le chemin de l'étude de la science. Vous êtes attaché, à cette anse importante qui est le chemin, l'anse de l'étude de la science. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même. بتقوى الله la crainte d'Allah ta'ala في السر والعلانية que ce soit en public ou en privé فهي العدة car c'est cela la véritable provision وهي مهبط الفضائل et c'est cela c'est là où résident toutes les bonnes choses ومتنزل المحامد et c'est là où se trouvent
tous les bons caractères et toutes les bons traits. Et c'est là d'où sort, c'est là l'origine de la force, c'est là d'où sort la force. Et c'est cela l'échelle qui mène vers les hauts degrés. Et c'est cela également ce qui va préserver les cœurs des tentations et des troubles. Ne négligez donc pas cela. Ne négligez pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est en cela que résident toutes les bonnes choses, tous les bons caractères. C'est de là que par la force, c'est là l'origine de la force véritable, que ce soit la force de la foi ou la force du corps. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'échelle qui mène vers les hauts caractères. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait accéder la personne à toutes les bonnes choses et à tous les bons traits. Et c'est cela qui préserve le cœur de tous les troubles. Alors ne négligez pas cela. Le deuxième point de cette hilya, de cette parure, c'est le point où il dit « Kun ala jaddati salaf as-salih » soit sur le véritable chemin des pieux prédécesseurs. « Kun salafiyan ala al-jadda tariqi salaf as-salih min as-sahabati radiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwab ad-din min at-tawhid wal-ibadat wa nahwiha » متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. Donc le cheikh il dit, soit sur le véritable chemin des pieux prédécesseurs, des salafs, soit véritablement sur ce chemin-là, soit sur le chemin des pieux prédécesseurs, et donc mérite ce titre-là de salafi. Qu'est-ce que ça veut dire salafi? C'est une personne qui est véritablement sur le chemin des pieux prédécesseurs. Et ce titre-là, ça ne doit pas être une simple prétention par laquelle on se targue. Mais ça doit être une vérité dans les actes. Suivre les pieux prédécesseurs parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et tous ceux qui les suivent, at-tabi'in, at-ba' at-tabi'in. Et malheureusement, chez beaucoup aujourd'hui, et on ne juge pas encore une fois les intentions, mais on essaye de donner des clés pour se remettre en question. Ça reste une simple prétention. C'est-à-dire que lorsque on se dit salafi, et lorsqu'on affirme ce caractère-là de salafi, qui est nécessaire, bien évidemment, et tout musulman se doit d'être salafi parce que les salafs sont nos exemples. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment être salafi ? Être salafi, ça ne s'arrête pas à l'apparence. Être salafi, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est un véritable comportement qui est véritablement le comportement de l'islam. Tout musulman de base est salafi. Salafi, c'est suivre le prophète alayhi salatu wassalam et les enseignements qu'il a donnés aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui eux-mêmes ont transmis à leurs élèves parmi les tabi'in, qui eux-mêmes ont transmis à leurs élèves parmi les atba' al-tabi'in. Et quand on dit cela, regardez la vie d'un compagnon. Regardez comment est-ce qu'ils jeûnaient le jour, comment est-ce qu'ils priaient la nuit, comment est-ce qu'ils se comportaient entre eux, la miséricorde qu'ils avaient entre eux, comment est-ce qu'ils étaient, comme le prophète alayhi salatu wassalam le dit, comme un seul corps. Lorsqu'une partie de ce corps éprouvait un mal, c'est tout le corps qui tombait malade et qui restait en fièvre et en veille. C'est cela la situation des salaf salih. Regardez comment ils étaient dans l'étude de la science. Regardez comment ils étaient dans l'introspection, on en parlait tout à l'heure avec Sofiane Thawri. Regardez à quel point ils faisaient attention à leurs intentions, ils faisaient attention à leur langue. À tel point que certains salafs, ils disaient « je compte mes paroles du vendredi au vendredi ». Il peut dire combien il a prononcé de paroles d'un vendredi à un autre. C'est-à-dire qu'en une semaine ou chaque jour de la semaine, il peut dire il a prononcé combien de paroles tellement il parlait peu. Il parlait peu, il pleurait beaucoup, il riait peu, il mangeait peu. Et aujourd'hui tu vois une personne qui rit énormément, qui laisse sa langue traîner ici et là, qui mange à n'en plus pouvoir, qui n'a aucune notion de l'ascétisme, du zohd, qui n'a aucune notion dans la science et de l'étude de la science, qui passe ses journées à débattre sur internet, et ensuite il pense mériter le titre de salafi. On n'est pas là à parler de mubtadi ou pas mubtadi'.
Beaucoup de gens font la confusion. Lorsqu'on dit qu'une personne ne mérite pas le titre de salafi, ça ne veut pas dire qu'on la considère innovateur, mais ça veut dire simplement que être salafi, c'est un mode de vie, ce n'est pas seulement une prétention. Et c'est pour cela, c'est cela que le cheikh il mentionne, ça ce n'est pas une parole que je sors de moi-même. Pourquoi est-ce que le cheikh il a pas simplement dit sois salafi, suis les pieux prédécesseurs? Mais il a dit kun salafiyan ala al-jadda. Sois salafi sur la véritable définition du terme. Comme il se doit. Ça montre qu'il y a une mauvaise compréhension du terme qui pousse certaines personnes à penser qu'ils méritent le terme. Absolument. Comprendre cette notion comme il se doit. Et comprendre qu'il faut passer de la prétention à l'acte. Donc, طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. Il le rementionne encore une fois où il dit les compagnons qu'Allah Ta'ala les agrée et tous ceux qui les suivent, parmi ceux qui ont suivi leur chemin, dans tous les sujets de la religion. Regardez bien cette précision-là. Fi jami'i abwabid din. Dans tous les sujets de la religion. Ne t'arrête pas à un sujet en délaissant les autres. Min at-tawhid wal ibadat. Il commence bien évidemment par at-tawhid parce que c'est la plus importante des choses, mais il fait suivre par l'ibadat, les adorations. Tu trouves une personne qui ne prie pas la nuit, qui ne lit pas le Coran, même pas une fois par mois. Les savants, ils disent, le minimum pour tout musulman, même musulman de la masse, c'est de lire le Coran une fois par mois, en entier. Il ne lit pas le Coran, même pas une fois par mois. Même pendant Ramadan, peut-être il ne le termine pas. Et après, il arrive et il dit devant tout le monde, je suis salafi. Mais il faut la mériter, c'est un titre qui se mérite. Parce que ça te relie directement aux générations qui sont les meilleures générations de l'islam. Et donc, regardez bien la parole du cheikh. Min at-tawhid wal ibadat. At-tawhid, l'unicité d'Allah et les adorations. Wa nahwiha, mutamayyizan biltizami athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite, en te distinguant par ton suivi acharné des traces du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawdhif as-sunan ala nafsik. Et par l'imposition des sunan, des traditions du prophète alayhi salatu wassalam sur toi et sur ta personne. C'est-à-dire que par le fait que tu t'imposes les sunan du prophète alayhi salatu wassalam et le fait de ressembler au messager alayhi salatu wassalam. Wa tark al-jidal wal mira et le fait de délaisser les débats stériles et les combats de mots, les joutes verbales. Et ça, c'est important, parce que le véritable étudiant en science n'a pas de temps à perdre dans les joutes verbales et les enfantillages. S'il y a un vrai, véritable débat constructif à mener avec une personne sur la base de l'honnêteté intellectuelle, pour essayer d'arriver à la vérité, que ce soit notre personne, on essaye d'exposer son point de vue, peut-être qu'il est faux pour le corriger, ou alors essayer de conseiller la personne qui est en face, eh bien là, effectivement, ça c'est un débat qui est demandé, c'est le sens du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ » et débat avec eux de la meilleure des manières. Mais si c'est un débat qui est stérile, ou un enfantillage, où on est là pour imposer son avis, et pour insulter toutes les personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, même si elles ont des preuves de leur côté, eh bien ça c'est un débat qu'il faut absolument éviter et duquel il faut se préserver. Et le fait de patauger dans ilm al-kalam, dans la science de la rhétorique, je ne sais pas si c'est une traduction adaptée, c'est une traduction que je vois beaucoup dans les traductions qu'il m'a été donné de lire, mais je ne sais pas si c'est une traduction adaptée. Ilm al-kalam, c'est une science particulière qui s'apparente à la philosophie. C'est un peu une science qui touche à la philosophie. Par rapport à la personne qui a demandé si elle peut poser une question, la règle dans ces diffusions, c'est que les questions sont à la fin si elles sont en rapport avec le cours. Et je t'invite, mon frère, si tu es un frère, ou je pense que tu es un frère, j'espère, je t'invite à me contacter en privé sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou les réseaux sociaux que tu trouveras dans la description du compte Periscope. Clique sur le compte Periscope, tu trouveras une description. Dessus, il y a tous les comptes et les réseaux sociaux. Et envoie-moi un message, Inch'Allah. Donc, ilm al-kalam, c'est une science qui s'apparente un peu à la philosophie ou
à la rhétorique. Et toutes les choses-là qui ramènent, qui poussent vers les péchés et qui empêchent et qui handicapent la personne dans son chemin vers la religion et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا انتهى. الذهبي رحمه الله il dit dans Sir Alam al-Nubala, il a été rapporté authentiquement de Daraqutni. Daraqutni, c'est Hafiz al-Dunya. Daraqutni, c'est comment exprimer qui est Daraqutni? Daraqutni, c'est un des plus grands savants que la terre ait porté. Après les prophètes, bien évidemment. Daraqutni, c'est totalement étonnante. Daraqutni, ses ouvrages, c'est quelque chose qui est. Et pourtant, il n'est pas connu autant que les autres imams, mais c'était véritablement un imam que tout le monde respectait. Daraqutni, il dit, ma shay il n'y a rien qui m'est plus détestable que ilm al-kalam, que la science de al-kalam, comme on a dit, qui s'apparente un peu à de la philosophie. Donc ilm al-kalam, c'était une science qui était blâmée par les quatre imams et par les grands savants, parce que, en particulier à leur époque, malgré le fait qu'elle s'est un peu démocratisée à notre époque entre guillemets, et qu'elle s'est, entre guillemets, si on peut dire, un peu affinée, et qu'elle n'est plus comme elle l'était à l'époque des Salaf. Mais à l'époque, c'était une science qui venait directement, vous savez, de la civilisation gréco-romaine, surtout des Grecs, avec tout ce qui est les thèses de Platon, les thèses de Socrate, etc., dans lesquelles il y a des questionnements perpétuels sur qui est Dieu, quel est le but sur Terre, etc. Et donc c'était des questions qui écartait de la religion et qui écartait de la voie saine et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça a poussé beaucoup de gens vers ce qu'on appelle en arabe al-hayra, vers le fait d'être perplexe dans la religion, et ça a poussé beaucoup de gens à l'agnosticisme, pardon, voire pour les plus ignorants d'entre eux, à l'athéisme. Quant aux grands savants qui étaient enracinés dans la science et qui savaient déjouer les tours des philosophes et des sophistes, hein, qui essayaient de perturber les gens dans leurs croyances, eh bien, eux, ils n'ont pas été perturbés. C'est pour cela qu'ils détestaient cette science-là, parce que les sophistes et les gens qui essayaient de jouer avec cette science-là, eh bien, ils brouillaient avec cela les frontières entre la religion et entre le questionnement, etc. Ils faisaient penser que la religion ne répondait pas à toutes les questions, etc., etc. Et on en trouve aujourd'hui des gens qui philosophent un peu à ce sujet. D'ailleurs, c'est resté, vous savez, dans la langue, quand on parle d'une personne qui parle un peu pour ne rien dire et qui remet en question perpétuellement, on lui dit « tu philosophes ». Eh bien, ça reste dans cela, même s'il n'est pas approprié de traduire « ilm al-kalam » par la philosophie, parce que c'est une autre notion. Mais il y a un rapprochement entre les deux. Et donc, « ilm al-kalam », c'était une parole, c'était une science qui était blâmée, à tel point que certains savants l'ont interdit et d'autres en ont mis en garde et l'ont vivement déconseillé. Et vous pourrez retomber sur des paroles comme cela, où Inch'Allah Ta'ala on en traitera si on a un peu plus de temps, jusqu'à que certains parmi les grands savants comme Abul Mu'al al-Juwayni, celui qui a écrit le célèbre livre Al-Waraqat dans Usul al-Fiqh, il disait à la fin de sa vie, tellement ilm al-kalam l'avait perturbé, il disait, j'aurais aimé ne jamais participer à ilm al-kalam, ne jamais mettre mon nez dans cette science-là qui perturbe. Et voilà que je meurs sur la croyance des vieilles dames de Nishapur, qui était sa ville d'origine. Donc pour montrer qu'il meurt sur la fitra, il meurt sur cette croyance-là de vieille dame qui va te dire « Je crois en Allah, mais les détails, yani, je ne connais pas. » Parce que le raisonnement humain est tellement faible qu'il peut vite se tromper, vite s'enrayer. Si la personne n'est pas structurée et elle n'est pas encadrée dans son raisonnement, elle peut vite se perturber, comme si par exemple on emploie une machine d'une mauvaise manière, et bien la machine elle peut vite s'enrayer et se casser. Et bien c'est la même chose avec le raisonnement humain. On est tellement faible que si on commence à réfléchir à des questions qui sont trop poussées, et bien surtout avec notre ignorance, et bien on peut vite se laisser perturber. Comme par exemple si une personne, on lui dit, il y a une personne qui a un niveau par exemple de terminale en mathématiques, et un doctorant en mathématiques, il vient et il essaye de lui remettre, vous savez, une question qui est
le remettre en doute sur ses moussallamats, sur les choses qu'il croit de base dans les mathématiques. Il y a une question qui était célèbre quand j'étais au lycée. Il y avait un de nos camarades qui avait son frère qui faisait des études poussées en mathématiques. Et elle a essayé de nous perturber en nous disant que 0 égale 1. Et ça, c'est une sorte de... Je n'ai pas le niveau en mathématiques pour l'expliquer, s'il y a des gens qui ont le niveau parmi vous. Mais c'est une sorte de petite astuce où par un tour de passe-passe, on fait, avec certains protocoles et certains théorèmes, eh bien on arrive à un résultat où 0 égale 1 effectivement, mais ce n'est pas une vérité. Et donc il essayait de nous perturber avec ça, et on en a discuté longtemps avec le professeur, et il a essayé tant bien que mal de nous expliquer, al-hasl. Tout ça pour dire que ça m'a fait penser à cela, et tous, on a été perturbés par cette chose, pourquoi? Même si on n'a pas réellement été perturbés, mais ça nous a étonnés, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de science dans les mathématiques, ou en tout cas pas une science poussée. Et donc là, c'est la même chose, une personne qui a une petite foi, une faible foi, et qui n'a pas une science enracinée dans la religion, eh bien, va se laisser perturber. Et c'est pour cela que les savants détestèrent ilm al-kalam, parce que ça perturbe les ignorants, et ça fait le bonheur des sophistes qui veulent se rendre intelligents. Et Al-Dhahabi, rahimahullah, il dit en commentant la parole de Dharraqutni qui disait, je vous rappelle, ce savant, Dharraqutni, n'a jamais théologique. Il n'a jamais participé à cela, ou les débats rhétoriques, pardon, pour être plus correct. Il n'a jamais participé à cela. Wala khada fi dhalik. Il n'a jamais pataugé dans cela, bel kana salafi. Au contraire, il était sur le chemin et sur la voie des pieux prédécesseurs, qu'Allah Ta'ala l'agrée. Et les agrée tous. Wa ha'ula hum ahlus sunnati wal jama'a. Et ceux-là, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, sont les gens de la sunna et du groupe. Al-muttabi'una athara Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on suit les traces du prophète, ceux qui suivent les traces du prophète alayhi salatu wassalam, du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on suit les traces du messager alayhi salatu wassalam, on est sur la voie des pieux prédécesseurs. Fala da'iya li tabdi' bidoun dawabit, etc. Donc il n'y a pas salam qui est dans sa croyance conforme à la croyance du prophète والسلام, et à celle des pieux prédécesseurs, sera sur ce chemin, bi-idhnillahi ta'ala, le chemin des pieux prédécesseurs, le chemin de Ahl Sunnah wal Jama'a, des gens de la Sunnah et du groupe. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. Et ils sont comme شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a dit dans son livre Minhaj al-Sunnah, il dit Ahl al-Sunnah, ce sont les purs musulmans. Ahl al-Sunnah, ce sont les purs musulmans. Les gens de la Sunnah, ce sont les purs musulmans. Wa hum khayrun nas linnas. Et ce sont les meilleurs, que ce soit par sa langue ou par sa main, en utilisant des armes ou en utilisant l'arme qu'est sa langue, en déchirant l'honneur de ses frères, etc. Qat'an. Il n'aura rien d'Ahl al-Sunnah. Parce qu'Ahl al-Sunnah hum khayrun nas linnas. Ahl al-Sunnah sont les meilleurs des gens pour les gens, les plus bénéfiques, ceux qui apportent un réel bénéfice. Même quand il y a lieu de parler sur les gens, de mettre en garde lorsque c'est légiféré, avec les conditions que cela nécessite, eh bien ils font cela pour le bien des gens. Ils ne font pas cela pour faire tomber leurs camarades ou pour se montrer supérieur à autrui. Falzami sabil, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Maintiens-toi donc sur cette voie droite, as-sabil, cette voie unique sur sirat qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite la partie du verset qui mentionne de cette hilya, de la parure, hilya talib al-ilm, mulazamatu khashyatillahi ta'ala. Le fait de rester sur, de persévérer et de s'imposer à soi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahalli bi'imarati al-zahiri wal-batini bi-khashyatillahi ta'ala, muhafizan ala sha'air al-islam. وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. Donc il dit, le troisième point, c'est le fait d'adopter la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme comportement. Il dit donc, le fait de se parer tant au niveau apparent qu'au niveau caché, tant en apparence qu'à l'intérieur de soi, de se parer par la croyance, par la crainte d'Allah, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit, muhafizan ala sha'air al-islam, en préservant les prescriptions de l'islam,
وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. Et en montrant la sunna. On dit souvent que l'importance, et il faut absolument que la personne qui soit sur la sunna associe les deux et ne se contente pas d'un à défaut de l'autre tout en laissant l'autre sur le côté. Donc il dit وَإِظْهَارِ السُنَّةِ وَنَشْرِهَا بِالْعَمَلِ بِهَا. Le fait de montrer la sunna en apparence en la pratiquant وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا et en appelant les gens à cela وَنَشْرِهَا بالعمل دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك tout en montrant la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala par ta science et par ton comportement et par tes actes. Il montre ici, rahimahullah, que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'appeler les gens à Allah, ça ne se résume pas à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala avec la bouche, mais également ça concerne le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala avec son comportement. Et combien de personnes ont appelé à Allah subhanahu wa ta'ala sans prononcer un mot? Combien de personnes ont appelé à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a certains salafs ont rapporté dans leur biographie que lorsqu'ils marchaient dans les marchés et dans les commerces, bien les gens ils les voyaient et ils évoquaient Allah. Le simple fait de les voir avec leur comportement, avec leur sourire, avec leur attitude, bien ça rappelait Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, ils se mettaient à évoquer Allah parce qu'ils les voyaient. Donc, appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, ça passe par la langue. Mais ça passe aussi, et je dirais même surtout, par ton comportement. Et surtout que les gens, s'ils voient que ton comportement ne colle pas à ta parole, eh bien, ils te discréditeront et ils ne t'accorderont pas le crédit. Ils ne t'accorderont pas confiance. Tu ne seras pas crédible aux yeux des gens si tes paroles ne sont pas conformes à tes actes. Hein, comme le proverbe il dit, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Non. La religion, elle se doit d'apparaître sur ton apparence. Et les gens, ils se corrigent en disant, ou plutôt ils se dédouanent de cela en disant, je ne suis pas parfait. Écoute ce que je dis, mais moi je ne suis pas parfait. Non, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, tu n'es pas parfait. Mais de la même manière que tu appelles les gens à adopter ces comportements-là, toi-même tu dois les adopter. Et c'est une honte que tu n'adoptes pas ce que toi-même tu enjoins de faire. Comme disait Abul Aswad al-Du'ali ou al-Du'li, car c'est une honte si tu fais cela. C'est une grande honte et c'est une terrible honte si tu fais cela. Et ça ne veut pas dire, eh bien, si tu fais un péché, fais-le dans ton coin et n'interdis pas aux gens de le faire. Non, ça veut dire interdis aux gens de le faire, mais ne le fais pas toi-même. Interdis aux gens de le faire et combat-toi en mla, wal musahala, wal samti salih. Tout en adoptant al-rujula, ce qu'on pourrait traduire par la virilité, même si je n'aime pas cette traduction, parce que la virilité, c'est un peu un caractère parfois péjoratif. Je dis bien parfois. Mais ici, al-rujula, c'est vraiment être un homme, dans le sens d'être courageux, être honnête. Tous les caractères quand on dit être un homme. Et bien sûr, ça concerne également la femme, mais on dit al-rujula dans le sens des caractères un peu yani, qu'on pourrait attribuer, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais qu'on pourrait attribuer au masculin. Être courageux, être quelque part viril, assumer ce qu'on fait. Il va être à la tête de cela, ça va être la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. C'est pour cela que l'imam Ahmad a dit, la base de la science, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous voulez, le principe fondamental de tout cela, auquel toutes ces choses-là, elles vont revenir, c'est la crainte d'Allah. فَلْزَمْ خَشْيَةَ اللَّهِ فَلَا يُعَدُّ عَالِمًا إِلَّا إِذَا كَانَ عَامِلًا وَلَا يَعْمَلُ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ إِلَّا إِذَا لَزِمَتْهُ خَشْيَةُ اللَّهِ. Il dit donc, attache-toi à la crainte d'Allah, que ce soit dans ta dimension privée ou ta dimension publique, devant les gens ou lorsque tu es seul, parce que la meilleure des créatures, c'est celui qui craint Allah. Et ne craint Allah qu'un savant. Et il dit cela en référence au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Certes, ceux qui craignent véritablement Allah de ses serviteurs sont les savants, parce que c'est les savants qui connaissent véritablement Allah. Or, pour craindre véritablement Allah, il faut le connaître. La crainte, c'est différent de la peur. Al-khashiyah, c'est différent de al-khawf. Al-khashiyah, la crainte, c'est une peur
qui est basée sur la science et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs de perfection. Tandis que la peur, ça, la peur, tout le monde peut l'avoir. Mais le khashya, c'est un degré particulier. C'est pour cela qu'il dit « وَمَا يَخْشَهُ إِلَّا عَالِمٌ » Ne craint Allah qu'un savant. « إِذَنْ فَخَيْرُ الْبَرِيَّةِ هُوَ الْعَالِمُ » Ainsi, les meilleurs des créatures sont les savants. « وَلَا يَغِبْ عَنْ بَالِكَ أَنَّ الْعَالِمَ لَا يُعَدُّ عَالِمٌ » Allah subhanahu wa ta'ala, et savoir comment l'adorer, ça fait de toi une élite d'Allah, qui est ceux qui le craignent véritablement. Et il dit « وَلَا يَغِبْ عَنْ بَالِكَ » Et n'oublie pas, n'oublie jamais que le savant ne peut être considéré véritablement savant que s'il pratique sa science. Le savant peut être considéré savant, ne peut être considéré savant que s'il pratique sa science. Et la personne savante ne peut pratiquer réellement sa science que si il se maintient fermement dans la piété et dans la crainte d'Allah. S'il se maintient fermement dans la piété et dans la crainte d'Allah, c'est ainsi qu'il peut pratiquer sa science. Et il ne sera considéré savant que s'il pratique sa science. Et il y a un vers de poésie dans lequel les savants ils disent « وَعَامِلٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ » Un savant qui ne pratique pas sa science est châtié avant même les adorateurs des idoles. Et ce parce que le prophète والسلام, a mentionné dans le hadith que dans le hadith que rapporte Abu Huraira, où il dit « Awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah » Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith qu'Allah Ta'ala nous préserve, il dit les trois premières catégories de personnes à rentrer en enfer le jour de la résurrection seront un savant, un mujahid, un combattant, être célèbre. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Pourquoi est-ce que tu as étudié le Coran ?» Pour que les gens ils disent « Huwa qari » Pour que les gens disent « Il connaît le Coran, il récite le Coran. » C'est un savant. وَقَدْ قِيلَ Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à dire 17 fois par jour au minimum dans toutes nos prières et dans toutes les unités de nos prières « اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ » Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont-ils? Les ulama disent dans le tafsir, ce sont les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la science et de la connaissance, mais ils ne l'ont pas pratiqué. Allah Azzajal dit « كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرِمْ فَعَلُوهُ » Ils ne s'interdisaient pas entre eux un interdit qu'ils commettaient. Donc nos dévots et nos adorateurs, les adorateurs de notre communauté, auront une ressemblance avec les Nazaréens, avec les chrétiens. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي ابن inquiétez pas, ce n'est pas la diffusion qui a bugué. J'ai bien répété ça plutôt. La même parole. C'est parce que Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, qui rapporte avec sa chaîne de transmission, une chaîne de transmission qui a une certaine particularité. Cette chaîne de transmission, elle contient, c'est une parole qui a été rapportée par 9 descendants. C'est-à-dire que les 9 personnes, elles sont de la même famille, c'est tous le fils de l'autre. Donc il dit, Al-Khatib al-Baghdadi, il a rapporté ce texte-là avec une chaîne de transmission qui contient cette particularité-là de Sad, le fils de Layth, le fils de Sulayman, de sa mémoire, qui a dit « Mon père m'a rapporté en disant, 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 mon père m'a rapporté. » Enfin, il y en a un de trop. En disant, j'ai entendu Ali ibn Abi Talib dire هتف العلم بالعمل la science appelle les actes فإن أجابه بيّن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى cette même parole à peu près la même importance de la science et il y a énormément de paroles l'importance de la pratique de la science pardon il y a énormément de paroles à ce sujet qui montrent que la science doit absolument être suivie d'actes et doit être pratiquée et si la science n'est pas pratiquée eh bien il n'y a aucun bénéfice à cela comme certains savants ont dit العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر la science sans actes et comme un arbre fruitier sans fruits, donc qui n'a aucun bénéfice.
هذا والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا. Si quelqu'un peut me confirmer ça rapidement par commentaire. Apparemment, il y a eu un bug définitif. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous avez pu suivre le cours ou pas? Parce que malheureusement, ma connexion est faible. Inch'Allah, à l'occasion, si. Donnez-moi vos retours sur les réseaux et à l'occasion, s'il y a possibilité, Inch'Allah, on essaiera de le refaire. Je m'excuse en tout cas pour la mauvaise qualité, c'est. Le cours a été. La connexion était très faible. Inch'Allah, on essaiera de refaire ce cours-là. De la Hilya numéro 1 à la Hilya numéro 4. Chez moi, ça fait des écrans noirs. Mais comme je disais, Inch'Allah, peut-être que je vais essayer de refaire. Ou alors, si la rediffusion est bien, regardez la rediffusion, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.